Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Au quotidien, j'ai besoin de sortir avec mon appareil photo. Avoir le plus souvent son appareil photo, c'est comme avoir un troisième œil. Donc l'appareil photo est le prolongement de l'œil du photographe. J'ai toujours porté des sacs bandoulières, donc c'est très pratique, mais quand on commence à mettre du matériel dedans, ça devient très vite lourd. Donc j'ai recherché des sacs bandoulières qui pourraient me convenir, et puis je me suis tourné vers la marque Peak Design. Donc j'ai essayé le Peak Design Messenger, mais j'ai trouvé qu'il était un peu trop gros pour moi et un peu trop lourd avec la version 13 pouces. Puis j'ai essayé le sac Peak Design Sling, donc en 10 litres, mais je l'ai trouvé aussi trop gros. Après, ils ont sorti la version 5 litres, assez sympa, mais un peu limite aussi quand même par rapport à la taille. Donc, puis ils ont sorti la nouvelle version, donc la V2 en 6 litres, donc que j'ai déjà parlé sur la chaîne et que j'ai actuellement aussi. Donc je travaille déjà aussi en tant que photographe professionnel avec le sac à dos Peak Design Backpack 30 litres en version 1. Donc il est très pratique et la version 30 litres permet de faire entrer beaucoup de choses à l'intérieur. Le souci, c'est que c'est trop gros pour se balader avec au quotidien, donc c'est là qu'intervient le 20 litres. Donc je vous en parle en détail ici, c'est parti!
Le sac à dos Peak Design Backpack 20 litres V2 est une nouvelle version du sac à dos phare de la marque. C'est la version 2. Habitué au sac bandoulière, je me suis demandé si je pouvais porter un sac à dos au quotidien pour avoir mon appareil photo à portée de main. Donc c'est vrai, un sac bandoulière c'est pratique, mais le problème c'est que le poids est réparti que d'un seul côté. Donc il ne faut pas trop mettre de choses dedans. En plus, quand on a un peu de ventre, donc en fait la lanière arrive pile poil au centre de la poitrine et fait ressortir la poitrine et le ventre. Donc ce n'est pas vraiment très esthétique en t-shirt, surtout en été avec la chaleur. Donc porter un sac bandoulière, il faut que ce soit pas trop lourd, donc sinon c'est vite désagréable. Avec un sac à dos, le poids est réparti sur les deux épaules, donc je me suis dit que porter un sac à dos au quotidien pourrait alors me convenir. Alors, pour vous présenter le sac à dos Peak Design Backpack 20 litres V2, donc on a ici un restylage complet. Donc en fait, le sac a des lignes arrondies par rapport à la version 1. Donc quand on le regarde comme ça, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais de plus près, c'est évident. Le look est différent, donc les zips ont changé, ainsi que le remplacement. Donc regardez. Regardez, sur la version 1, les poches latérales s'ouvrent en grand, alors que sur la version 2, la courbe s'arrête devant. Donc c'est le même principe donc d'ouvrir le sac sur le côté, mais ça ne s'ouvre pas de la même manière. Avec la version 1, le sac s'ouvre complètement. Sur la version 2, étant donné que le zip n'est pas placé de la même manière, c'est différent. On a aussi des aimants de partout, donc qui font que chaque élément s'accroche à sa place. Donc regardez, les bretelles reviennent en place une fois que le sac n'est pas porté. Le zip du dessus se fait maintenant derrière la hanse du sac. Donc là, sur la version 1, elle se fait devant. Et sur la version 2, hop, elle se fait derrière la hanse en fait. Il y a donc bien quelques changements d'emplacement qui sont faits. Donc à l'intérieur de ce zip du dessus, on a de nouvelles poches bien pratiques. Donc ils ont des emplacements dédiés pour le téléphone ou peut-être une batterie externe. Donc c'est pratique d'avoir ces compartiments. Donc ensuite, on peut remarquer qu'on a un système qui permet de faire rentrer un ordinateur. Mais alors qu'avant, on pouvait rentrer un 13 pouces sur le 20 litres, il me semble. Maintenant, on peut aussi rentrer un 15 pouces dans la version 2. Donc c'est magnifique, il y a plus de place dans un sac toujours aussi compact. Maintenant, sur toute la gamme, il y a des pièces en cuir, sauf sur le sac qui est totalement noir, donc qui a une matière différente. Le choix des couleurs est personnel, donc pour ma part, j'ai pris la version charcoal, donc ou charbon, donc car je la trouve super belle. Au départ, je m'intéressais au sac gris clair, donc de la marque, pour changer du foncé, mais en voyant le charcoal, donc couleur charbon, c'était évident que c'était celui que je préférais. Donc pourtant, en le voyant en photo sur le site Peak Design, donc la couleur ne m'avait pas forcément tapé dans l'œil, mais en le voyant en vrai, il est magnifique. Le sac a un système de compartiments à scratch modulable. En fait, on peut choisir l'emplacement selon ses goûts. Maintenant, ils ont amélioré le système, donc ils l'ont restylé aussi et apporté des repères pour avoir de la précision sur le remplacement. Donc, ces compartiments à scratch s'appellent les Flex Fold. On a ensuite toujours le système qui permet d'accrocher les zips autour d'une cordelette fixée au sac. Donc celui-ci permet d'éviter qu'on vous ouvre le sac quand vous vous promenez. Donc ça permet en quelque sorte de verrouiller les zips. Pour parler du poids du sac à vide, donc le sac a un certain poids à vide, donc rien d'affolant non plus, mais il est plus lourd à vide que les autres sacs de d'autres marques, donc il faut le savoir. Au départ, j'étais parti voir un sac d'une autre marque, mais après avoir l'essayé, on remarque tout de suite la différence à vide. Le sac Peak Design est un peu plus lourd que les autres sacs. Alors, pour vous parler de mon expérience avec la gamme Peak Design Backpack, donc je connais très bien la marque Peak Design, donc ils font des produits qui ajoutent du confort aux photographes. Donc je me suis demandé si je pouvais prendre un sac plus gros que le sac bandoulière. Donc bien évidemment, je me suis dit, si je prends un sac avec de la place, ça donne envie de mettre encore plus de choses et cela rendra le sac plus lourd finalement. Donc dans mon sac au quotidien, j'ai besoin de mettre donc un appareil photo. Donc actuellement, je mets le X-T4 avec un objectif monté dessus. Le plus souvent, je mets l'objectif 16 mm f1.4, donc le plus souvent monté sur l'appareil photo. Ensuite, je mets mon portefeuille, mes clés, une petite gourde d'eau, une batterie d'appareil photo, mes AirPods, un câble USB de recharge de téléphone, allez, un petit paquet de mouchoirs aussi, toujours utile avec les enfants, un petit chiffon de nettoyage,
une courroie Peak Design, donc alors oui, donc tout ça rentre dans le sac Peak Design Sling 6 litres. Donc simplement, l'appareil photo avec l'objectif pèse tout de suite 1 kg, donc avec le reste, c'est encore plus lourd. Donc tout ça, c'est réparti d'un côté vu qu'il est bandoulière. Je me suis dit alors que le sac à dos Peak Design 20 litres est plus petit que le 30 litres, donc il est beaucoup plus passe-partout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un sac à dos que vous êtes obligé de le remplir à fond. En ce qui me concerne, je me suis dit, quand j'en ai l'envie ou le besoin, je peux très bien rajouter du matériel. Alors bien sûr, sur une session photo, donc je prévois le matériel photo dédié, mais pour du quotidien, un boîtier et une optique, donc m'évitera de tout trimballer. Donc je trouve que la version 20 litres est plus adaptée à l'urbain, tandis que la version 30 litres, plus adaptée pour les voyages, randonnées, vacances, ou même travailler avec, comme je fais avec la version 1 de la sac, du sac de la gamme. Donc bien sûr, on peut très bien utiliser le 20 litres de partout, hein. Peak Design a bien compris, mais ils ont sorti une version 20 litres qui est vraiment beaucoup plus passe-partout, je trouve. Pour travailler en tant que photographe professionnel, je peux très bien utiliser le 20 litres aussi, hein. Donc il y a assez de place, même si c'est plus restreint que le 30 litres, évidemment. Donc pour ma part, j'aime être à l'aise, donc surtout pour exercer le métier de photographe, donc le 30 litres me va encore très bien, même si c'est la version 1. Ici, je ressentais vraiment le besoin d'avoir un sac à dos au quotidien, une autre façon de porter mon matériel afin de l'avoir avec moi et saisir l'instant que je souhaite, donc tout en ayant un sac qui ne soit pas trop gros non plus et pas trop lourd non plus. Bien sûr, un appareil photo n'est pas fait pour rester dans le sac, mais il est important de bien le ranger, surtout en le transportant. Donc si, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a de la place disponible si besoin. Donc comme je vous dis, on n'est pas obligé de trimballer tout son matériel au quotidien, donc le côté minimaliste me plaît. Pour juste prendre ce dont on a besoin au quotidien ou juste pour une sortie photo, le remplir aisément. Donc je peux aussi transporter mon ordinateur portable si je souhaite travailler à l'extérieur. Si on souhaite mettre un petit appareil photo ou de petits objectifs, il est nécessaire de bien adapter la place. En fait, parce que le matériel à l'intérieur peut bouger si celui-ci est trop petit. Alors regardez, le système FlexFold se replie et laisse cette place. Donc si je mets un objectif Fujifilm comme le 27 mm f/2.8 seul dans cet emplacement, donc vous voyez, il va flotter. Par contre, si je range l'appareil photo monté dessus avec le 27 mm 2.8, donc je peux le ranger comme ça. Donc je pense qu'il faut adapter les rangements en fonction du matériel que vous rangez. Donc le 27 mm est très petit, hein. Donc je peux par exemple le mettre dans la poche latérale aussi. Donc voilà, mais c'est seulement un exemple ici avec des objectifs de plus petite taille. En ce qui concerne la garantie Peak Design, j'ai dû déjà contacter le service client Peak Design pour des soucis avec des zips en fait sur la version 1. Donc je n'ai eu aucun problème à me faire comprendre. Il faut certes remplir un questionnaire en anglais, mais une personne nous répond rapidement et procède au remplacement. Donc j'en ai déjà parlé sur mon blog, vous pouvez retrouver l'article dans la description. Le sac à dos Peak Design Backpack 20 litres V2 est vraiment pratique. Donc il est bien sûr pensé pour la photo, mais aussi pour tout type d'usage au quotidien. D'ailleurs, la marque appelle leur gamme Everyday. Donc je me dis que je peux très bien changer de temps en temps, repasser sur de la bandoulière ou au sac à dos. Avec le sac à dos, je peux choisir le matériel que je souhaite amener, donc, ou juste le prendre pour une petite balade. Donc j'évite ainsi de me balader avec un sac trop lourd au quotidien. Donc je pense que quand on aime la photographie, il est important d'avoir son appareil photo le plus souvent avec soi. Donc certes, aujourd'hui, on a tous un téléphone qui permet d'effectuer des vidéos, des photographies, mais ce n'est pas pareil. Donc pratiquer la photographie avec une vraie intention créative, ce travail. Avec le téléphone, on peut certes photographier, mais ce n'est pas le même plaisir. Donc, le sac à dos Peak Design Backpack 20 litres V2 a quand même un certain coût en termes de prix, mais il est dans une qualité vraiment top. Et vous, est-ce que vous avez tous les jours votre appareil photo avec vous? Donc comment transportez-vous votre matériel? Dites-moi tout en commentaire. Voilà les amis, j'espère que ce test de matériel vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À bientôt les amis.